Kojiko, tu vas me puiser ou bien tu as quoi là? Tiens. Ça va pas. Ça va pas là. Eh oui. Mais tiens, depuis une heure de temps que tu es assis là, pour laver trois assiettes, tu dors sur place. Hey, arrête-moi ça. Tu as encore à faire, chérie, de quoi? Depuis une heure de temps que tu laves trois plats. Mon ami, dépêche-toi. Dépêche-toi, tu as mes habits à laver, tu vas aller au marché. Fais vite. Hein? Fini, fini. Je vais laver ça demain. Quelle demain? Pour manger ici, là, tu attends demain. Dès que je finis de préparer, tu as ouvert l'estomac, non? Pour verser l'enduit dans le ventre. Quelle demain? Mon ami, finis de travailler, tu vas au marché. C'est toi que j'attends. Tu as 10 minutes là. Et dis bien 10 minutes. Si j'entre là, je te trouve encore dehors là. Tu vas me sentir. Une femme qui commande son mari. Si c'est ma part de mari, il va seulement me gommer. Puisqu'il lave les assiettes. Hey! Maman, même prière au Seigneur, je te prie mal. Je te gronde quand je te prie. Ha! Bon, je crois pas me faire ça. Ça me fait la même chose. Stéphane! Je vais t'appeler combien de fois? Alors, porte-moi l'eau si tu mets aux toilettes. Dépêche-toi, je veux me doucher. Ouais. Bonjour. Lève-toi, sors. Voisine, pardon, viens, maman. Je veux savoir, maman, ton secret, c'est quoi? Tu parles de quel secret? Je vois tout ce que tu fais. Tu demandes à ton mari de faire, il fait seulement. Si tu dis monte, il monte. Tout à l'heure, tu as dit qu'il porte tes seaux. Il a porté, il a déposé aux toilettes. Je ne peux pas parler à mon mari comme si il était tout. C'est qu'il va même me bafler. Celui-là, est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il a le choix? Il connaît sa place dans cette maison. Bon, il n'a même pas le choix. Si tu couches-toi, il va se coucher, je vais mourir. C'est normal, c'est mon mari. Si il tente un peu, lui-même il connaît sa place. C'est en route qu'il va rester. Maman, tu as la chance. Si j'avais aussi un mari comme ça, c'est que je suis la femme la plus heureuse de la terre. Mais quand je te vois là, tu as un secret. C'est parce que tu as les grosses seins. Regarde-moi. Tu suis plus plate que la doise. C'est normal que Kojiko ne m'écoute pas. Tu as les fesses, tu as les seins, tu as la taille. Moi, j'ai quoi, maman? Mais c'est une histoire de seins et de taille. Moi-même, à partir de maintenant, Kojiko va m'écouter. J'aurai les seins, même si ce sont les seins artificiels. Même si c'est le coussin que je vais mettre dans la poitrine, je vais mettre. Il va m'écouter. Très bien. Vous avez même dit que c'est la femme qui doit être soumise dans le foyer. Même les hommes doivent être soumis. Qui te donne mon mari là seulement pour deux jours, tu vas fuir. Si c'est un problème de talons ou bien de grosses fesses, nous tous on aura seulement les grosses fesses dans le quartier. Écoute pas. Tu parles à un homme, il n'écoute pas. Tu te mets la seule on n'a pas seulement les fesses. Je crois qu'on a les fesses plus que qui? On connaît Mania Saba. Elle n'a rien devant Mania Saba. Mais si c'est un côté qui est gros, c'est pas grave. Oh! Son, c'est son. Ça, c'est la mousse. Oh! C'est un problème de talons et de taille. Nous tous, on va avoir la taille dans le quartier ici.
Attends, pardon. Tu vois? Tu fais quoi dedans quand j'ai besoin d'eau? Va me puiser l'eau! Attends, je vais pas te puiser de l'eau. Va me puiser l'eau! Attends, Pego, je sais pas. Tu as fumé quoi? Attends, tu m'appelles, moi ton mari, que je vais pas te puiser de l'eau, comment? Tu fais quoi dedans quand j'ai besoin d'eau? Va me puiser l'eau! Et même s'il fallait que je te puise de l'eau, c'est avec ce ton-là que tu me parles? Oh, je te parle, tu es encore là. Je te parle, tu es encore là. Je suis pas ton égal, hein. C'est ton mari que tu as fait parler, c'est à moi que tu parles. Va me puiser l'eau! Tu es encore là! Mets mon doigt vite! Tu me mets le doigt! Hein, Pego? Attends, tu me donnes la lettre puiser l'eau? Et tu me gommes de? Gojiko! Gojiko! Tu vas aller me puiser l'eau ou bien tu es encore là? Tiens! Ça va? Je me suis trompé. Oh yo. En voulant imiter, j'ai failli perdre un œil. Oh. Jamais. Et les fesses de quoi? Et la taille de quoi? Oh. 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 Il y a quoi, voisine? Aïe. Ne me touche pas, pardon, tu m'as trompé. Comment ça? Aïe, à cause de toi, non, aïe, aïe, à cause de toi, mon mari a failli me perdre, me percer un œil. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a fait quoi, voisine? Oh, tu m'as trompé. J'ai voulu t'imiter. M'imiter? Mais dis-moi ce que tu as fait à ton mari, non, voisine? J'ai demandé à mon mari d'aller puiser l'eau comme toi, mais tu demandes souvent à ton mari de travailler. Ah, il m'a bastonné. Dis-moi ton secret. Aïe, dis-moi ton secret. Quel secret, voisine? Oh, ton vrai secret n'était pas que tu avais les grosses fesses. Ton vrai secret est ailleurs. Dis-moi ton vrai secret. Jesus! Voisine, tu es sûre que tu peux supporter mon mari? Oui. Dans ta maison, qui paye la location? Qui paye ta location? Mais c'est mon mari, non? Qui paye le gaz? C'est mon mari, non? Qui rationne? Mon mari. Qui te donne l'argent pour te coiffer? Mon mari. Voilà. Chez moi, c'est moi qui fais tout. Hein? Je paye la location. Je nourris mon mari. Je paye ses factures d'hôpital. J'appelle même sa mère. Chaque mois, je donne l'argent de ration. Et je rationne chez moi. Tout ce qu'il fait, c'est de manger, prendre le poids. Il ne doit pas être autoritaire comment? Il ne doit pas être soumis comment? Ton mari fait tout chez toi. Tu veux être autoritaire comme moi? Attends un peu. Stephen! Stephen! Viens là. Je fais la cuisine. Viens là. Depuis ce que tu as entre les mains là, elle masse ma voisine. Elle a mal. Je me suis trompée. Masse bien, elle a mal. Je me suis trompée. Masse le dos. Oui, masse. Ne demande pas. Masse seulement. Masse bien. Ça va? Ça va. Mais comment tu as bien la main, masse? Je me suis trompée. Masse bien. Masse comme un homme. Un homme. Mets toute ta force sur ça.